En ce qui concerne le dialogue qui était annoncé, qui a eu certainement lieu, qui devait être clôturé le 15 décembre, c'est-à-dire avant-hier, je crois qu'il n'est pas encore clôturé. Mais ce que nous devons vous dire, qui doit être clair pour tout le monde, clair pour la presse, c'est tout simplement vous dire que les conclusions de cette rencontre n'engagent pas les coalitions de l'UFDG, ANAD, RPG Allié et FNDC Politique. Les conclusions issues de cette rencontre ne nous engagent pas. Nous respectons tous les partis politiques. Même s'il a créé aujourd'hui un parti qui a son agrément aujourd'hui, nous le respectons. Donc les partis qui siègent au niveau de ce dialogue, nous les respectons. Mais nous avons le devoir de rappeler que les trois coalitions absentes aux rencontres constituent au bas mot, je le rappelle, 90% de l'électorat guinéen, toutes élections confondues depuis 2010. La majorité doit respecter les idées, les propositions de la minorité. Mais les minorités dans tous les pays du monde, dans toutes les démocraties du monde, les minorités doivent accepter la décision des majorités. C'est ce que l'honorable Damaro aimait à rappeler à l'Assemblée. Il dit, vous allez subir la dictature de la majorité. Malgré qu'on avait la minorité de blocage. Mais il a toujours rappelé. Et c'était vrai. Mais nous respectons les propositions des minorités. À condition que ces minorités acceptent la volonté de la majorité. Donc, dans quelques jours, les partis membres des coalitions que je viens de citer, nous présenterons notre réaction, comme on vous l'a promis la semaine dernière, face à la déclaration au communiqué de la réunion des présidents des chefs d'État de la CEDEAO, communiqué publié le 6 décembre 2022. Nous allons faire connaître officiellement notre position, les aspects qu'on encourage, les aspects qu'on soutient, les aspects pour lesquels on se félicite et les aspects pour lesquels nous avons des remarques et pour lesquels nous allons présenter des propositions relatives à la sortie honorable pour la Guinée de cette crise.